d'énergie. Donc, tout au fond, le dernier passage après l'eau, quelque chose a dû taper, mais tout est bien, on continue. Alors, pour Sandra Charbonnens, sur l'obstacle 2, pas de pénalité, 53 secondes et 10 centièmes. C'est le deuxième chronomètre, 3 secondes, exactement 3 secondes plus long que le concurrent numéro 5, Cédric Scherrer, qui est toujours le plus rapide sur cette obstacle, mais Sandra Charbonnens, très très plus vite également. Un petit peu moins bon, quatrième chronomètre.